Attention, les stations fréquences pour le QSO national du canal 27, section sud-ouest. Il est 21h. Les bus 13-51 vous touchent de la part de 14 Kilo Mike 3301, Dandy 33, opérateur Rémi sur le sud-ouest France. Alors, j'ai entendu du monde là tout à l'heure, mais c'était beaucoup trop QRP là de mon côté. Je sais pas, c'était peut-être Angèle, je sais pas. J'ai entendu une YL aussi. J'ai entendu un mini Roger Beep là, à l'instant. Là. Les 73, la station de la part de Dandy 33 pour le QSO national du canal 27. Attention Philippe ou Angèle, les 73 à vous. Bon, si vous avez du QRM comme moi j'ai de mon côté, voire pire, évidemment. Les 73, la tour de contrôle. Ouah ! Alors là, c'est... Ça fait... Allez, je veux dire court, des siècles que je t'avais pas entendu. T'as raison, moi c'est pareil. La radio c'est pas fait pour ça. Hachi, on en voit assez comme ça sur internet pour ne pas citer d'endroits qui font des déballages de leur vie privée jusqu'à dire comment ils font quand ils vont aux toilettes. Hachi. Voilà. Ça c'est fait. Bonsoir tout le monde, 73. Et 73 au tourné. Bonsoir à lui, l'opérateur Michel de Langiron. Ok, 73, monsieur Michel, le facteur Coyote et Libourne. Voilà, Coyote et Libourne, 73 à toi. C'est vrai qu'il y a un moment quand t'entendais plus sur les fréquences. T'as des problèmes comme tout le monde. Voilà. Ok, salut Rémi, 73 à toi. Voilà, je suis en écoute. Ok, tout ça retourné. Ben, il me semble entendre Philippe ou Angèle dans le trou là-bas. Là, mais bon, en plus de ça, j'ai du QRM là ce soir, j'en ai un peu. Eux, ça doit être pire de leur côté, ce qui fait que ben, ça ne passe pas. Tiens, la preuve que ça passe pas, puisque là, en relâchant, j'ai entendu lancer appel et il ne nous entend pas. C'est vrai que c'est petit, on entend juste le bip derrière. Ouais, c'est ça, j'ai mon filtre machin truc là d'enclencher. Je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, bref, là pour le haut-parleur, et j'arrive à l'entendre juste un peu. Hein. DSP, voilà. Et je vous laisse, bon, QSO, à plus tard. Voilà, j'ai d'autres occupations parce que là je suis occupé. Je prévois pour demain, alors. Voilà, je suis en train de m'emmerder, je vous laisse, bonne soirée, bon QSO, je vous dis à plus tard. Ah, t'as une occupation pour demain? Ok, bon QSO, à plus. Ouais, j'entends parler derrière les 73 de la station, si ça arrive à passer ce coup-ci. Ok, bon, est-ce que, Eric, est-ce que tu es derrière la porte? Ludovic, il doit être encore en train d'attendre le livreur de pizza. Hachi trois coups.
Retour à toi, Michel. As-tu profité un petit peu du passage du Propag là qui a eu là cet après-midi là jusqu'en fin de ouais jusqu'à vers les 19h par là quoi. Alors là, ils vont pas attendre quand vous parlez, ils m'interviennent pas à moi, alors c'est pas bien grave. Avec vous, je profite du beau temps, après du beau temps quand il fait beau, mais je profite de toi qui connais Rémi, je m'en demande pas ce qui vient en pleurer et compagnie. Il n'y a pas besoin de l'arroser, ça fait faire des économies. Ah bah ça tu m'étonnes. Pareil, je voulais faire des trucs là en extérieur aujourd'hui. Quand j'ai vu le temps, je me suis dit, ben c'est pas grave, hein, ça sera pour une autre fois. Hein. Exactement. Bon, les messieurs, là, si vous entendez le nom Gironde, à part Rémi et puis notre ami Coyote, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre derrière? Il y avait une charmante voix d'Y-Kelle tout à l'heure. C'est vrai qu'elle a appelé deux ou trois fois, personne n'a jamais répondu. Y a-t-il quelqu'un à l'écoute? Alors là, y a quelqu'un qui a répondu, mais pour moi, c'est de libre. Ouais, pour moi aussi, hein. C'est bien parce que là, j'ai mon filtre DSB, là, qui est en route, que j'ai réussi à le décortiquer un petit peu dedans, mais c'est complètement inaudible de mon côté. Hein. Alors j'entends quelqu'un sur le 27 275.40 .400 quelque chose comme ça dans ces eaux-là, mais bon j'arrive pas à sortir mieux que ça non plus de mon côté là. C'est beaucoup trop QRP là de mon côté la station. Les 7351 de la part de Dandy 33 QTH Sainte-Colombe, c'est-à-dire par rapport à Bordeaux après Saint-Émilion. Ouais. Ah, c'est peut-être parce que tout simplement il nous entend pas quoi. Si la station a du QRM de son côté, c'est, je vois là tout à l'heure par exemple, là, j'étais sur des fréquences là, beaucoup plus basses. 3 mégas 752, 762 là par là. J'avais un QRM de 7 hein, par moment dessus. Hein. Oui, je crois que c'est Angèle. Oui, si c'est toi Angèle, il y a pas de vas-y en avant. Est-ce que je sais pas si tu m'entends? J'entends quelqu'un là. Ouais, j'ai pas eu le temps de remonter vite suffisamment vite là sur la fréquence. Bon, attention Eric pour le QSO, est-ce que tu es là?
Attention, la fréquence, Fredo se signale. Y a-t-il quelqu'un, écoute. Oh, cette modulation grave, cette modulation de voix d'homme. Les 73, Fredo. Oui, puis en plus, tu as de la chance, ce soir, on a Michel, la tour de contrôle avec nous, avec les bonnes 73, Fredo. Oui, bonjour Rémi. J'ai entendu Rémi, Angel, et tu m'as dit qu'il y avait la tour de contrôle. Ouais, je passais juste comme ça, un coup devant, histoire de vous saluer, parce que je suis pas très bien ce soir. Voilà, je me suis encore déglingué par la kiné, et j'ai du mal à rester assis sur ma chaise là, et j'ai envie d'aller plutôt m'allonger et dormir, histoire de récupérer de la fatigue de la semaine. voilà. Retour à toi Rémi, et je fais 2-3 passages et je me sauve. Ok, Fredo, pas de problème. Les 73 à toi, et ouais, je te disais, il y a Michel, la tour de contrôle qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps, et c'est un grand plaisir justement de l'avoir, de le voir de retour parmi nous. Et je fais un retour de micro sur Michel, la tour de contrôle à toi pour Fredo. Eh bien, le bonsoir à toi, Fredo, pardon. Je vois que. Toi aussi, si tu te fais soigner pour certains trucs, mais normalement, quand on sort de là, on doit être en forme. Mais toi, apparemment, ça n'a pas fonctionné. Mais il y en a d'autres que ça ne fonctionne pas. Mais le bonjour à toi. Et bien, donc, c'est presque un miracle de t'entendre à la radio. Je ne m'y attendais pas du tout. Excellent. Écoute, bien bonsoir, la tour de contrôle. Enfin, alias la tour de contrôle, Michel, tiens, ça fait plaisir. Ça fait super longtemps que je t'avais pas eu en fréquence, là. Ouais, mais c'est pas que ça marche pas, c'est le contre-coup. Disons qu'elle me fait tellement du bien que ça me fait du mal. C'est bizarre de dire comme ça. Mais bon, franchement, je douille, hein. Sérieux. J'ai pris mes questions qui sont en retard là, donc ce qui fait que ça ne fait pas vraiment effet là. Encore peut-être une demi-heure, ça devrait le faire. Mais je serai au lit en train de dormir, donc ça ira mieux. Je fais un petit retour vite fait sur Angel, après je vous abandonne. On fait aller la semaine, bon je l'ai passé soft, hein, je me ménage, mais franchement arrivé le vendredi soir, je suis déguerre. Je suis cassé en deux, voilà. C'est comme ça, je me fais vieux, tout le monde me le dit, je me fais vieux. Moi je suis proche de la quarantaine, voilà c'est tout. Hein. Non, ça va. Moralement ça va, mais physiquement bon j'ai encore du boulot, voilà. Salut Philippe, hein, je ne l'ai pas entendu là. Ouais, mais je crois que tu n'entends pas, Rémi, quoi, d'habitude, donc ça va être compliqué. Si toi tu es en fréquence et que lui aussi vous n'entendez pas, ça va être compliqué. Je ne sais pas si la tour de contrôle, tu entends Angel. Normalement, oui, ça fait des grandes oreilles, voilà. Sur ce, messieurs, je fais court, hein. Moi, je m'excuserai, ça aurait été avec plaisir, mais là, il faut que j'aille. Donc j'allais m'allonger, je ne tiens pas assis sur ma chaise là. C'est pénible, je ne vais pas faire la radio debout. quand même, ça m'a pas utilisé. Mais demain normalement je serai un peu plus dispo, voire dimanche matin. Voilà. Sur ce, messieurs, bonne continuation pour le QSO national. Et au plaisir. À toi Rémi. Ok, en même temps, merci pour la capture d'écran là que tu m'as fait passer. Là. Je l'ai mis sur le forum en réponse là pour l'OM. Ah, mais de rien. Si c'est pour, hein, c'est toi plaisir. Hein. Je l'ai mis sur Facebook, c'est tout public, donc fais-en bon usage, voilà. Ah ben c'est fait, hein. Le sujet sur le forum, tu peux le retrouver dans la rubrique sur les logiciels. Voilà, c'est là que se passe cette discussion. Ok, bon, ben j'irai jeter un coup d'œil. Voilà, allez, je m'échappe. Quel bonsoir à tout le monde, ainsi qu'aux écouteurs derrière, puis aux futurs ones qui viendront vous rejoindre, vous les saluerez bien de ma part. Et je vous dis, peut-être demain, si je chauffe
opérationnel, sinon ben, ça sera plus tard. Voilà, allez au plaisir, messieurs, ça va, bye, je coupe. Ok, merci, l'émotion 13 à toi, retour sur Michel. Oui, le bonsoir à toi, et puis, tu demandes à madame qu'elle se caresse, ça ira mieux. Allez, bonne nuit, et puis j'espère que demain tu seras en forme. Si ça te fait mal maintenant, c'est que, à la longue, ça ira bien mieux. Oui, bon, mais c'est Angèle, le bonsoir à vous, moi je vous l'entends, hein. Je sais pas si vous m'entendez, moi je vous l'entends mieux. J'ai pas l'impression qu'il vous entend. C'est là, Angèle? Non, excuse-moi. Bon, en fait, ça a Rémi d'un petit qui est derrière. Je pense que tu l'entends pas. Et la tour de contrôle, Michel qui est derrière également. Bon, ça va être compliqué si vous êtes trois et que vous entendez pas. Ça va faire un peu de dialogue de sourds, comme on dit. Voilà, Bobé. Désolé, je vous laisse en trio là. Je m'échappe, je ne vais pas m'amuser à faire le QSP, là, je tiens pas debout. Ça aurait été plaisir, mais là non, je préfère aller m'allonger. À plus tard, Angel. Ok, ouais, ben toi, merci pour le QSP, parce que là, j'ai absolument pas du tout compris ce qu'il a dit. Faut dire que, par rapport à moi, là, il est très mal placé, là. Il y a tout le coteau, là, toute la butte, là, de Senon, Lormont, là, tout ça, là, qui fait barrage, hein, évidemment. Hein. Donc là, ça passe pas. Et puis là, c'est un soir à QRM, hein, en plus de ça. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est pas grave, hein, on fait avec, hein. Alors, est-ce que Eric ou Ludovic, est-ce que vous êtes en fréquence ou peut-être ah ça y est, j'ai oublié son prénom. Bon ben c'est pas grave. Eric, Fredo, peut-être non. Hop, ça serait pas Doudou là, que j'ai entendu derrière. Si c'est toi, les 73 Doudou. Enfin bon, peu importe, les 73 quand même. Et le bonsoir au département 40, le 33, mais tout à fait le nord, limite 17. Retour à vous, le 40. Alors je suis en train de jouer du filtre en long, en large, en travers. Je l'entends, mais c'est très QSP, c'est très QRP, Hachi. Les 73, la station de la part de 14 Kilomike, 3301, opérateur Rémi, Dandy 33 en fixe, sur l'est de la Gironde, pas très loin de la Dordogne, à côté de Castillon-la-Bataille, Saint-Émilion. Ok, voilà, c'est bon. Là, j'ai descendu le filtre, mon filtre, là, au minimum. Enfin, sur certains réglages, j'ai réussi à mieux te sortir malgré tout. Ok, il n'y a pas de problème, Laurent. Les bus 13-51, toi, ben, très content de t'entendre. Et il doit y avoir un petit filet de propague, apparemment, pour que tu arrives à passer ce soir. Et pourtant, toi, j'ai du QRM un peu de mon côté. Il n'y en a pas énorme, mais ça me fait pas mal de bruit dans l'UHP. Mais bon, ça, t'arrives à passer par-dessus ça quand même. Retour à toi, Laurent. Voilà,
radical, c'est que moi je suis avec une amour à cœur qu'entre les mains. Bon, c'est tout, je suis quand même sur les brins qui sont verticaux, hein. Mais enfin, vous m'entendez pas très fort. Le principal, c'est qu'on s'entende. Moi, c'est pareil, j'entends mieux. Et Rémi, c'est normal. Mais vous pensez quand même, c'est clair et net. Et moi, j'ai un avantage, c'est que j'ai pas le QRM. Alors, les filtres ne sont pas enclenchés. Alors, j'arrive à entendre tout le monde. D'ailleurs, Laurent, à titre indicatif, Rémi et les autres m'ont baptisé la tour de contrôle. Retour à vous, Laurent. Merci, Michel. Oui, je sais. Il y a 11 ans, vous faisiez cette apparition et je me souviens de ce surnom. Mais ça ne tombe pas parce que si vous me demandez, donc vous êtes sur les hauteurs de blague et effectivement, ça, vous rayez loin. Hein. Vous rayez loin parce qu'on vous entend jusqu'ici à la limite du 64. Sans qu'il y ait beaucoup de propagation, donc c'est extraordinaire. Là, je suis sur le Vector 4000 en ce qui me concerne, le Vector 4000. Donc c'était les trois quarts d'onde, OK pour la IAD. Malgré la différentiel de polarisation, ça passe bien. Ouais, je ne sais pas plus loin, je retourne le micro en ligne et je vous écoute. Avec plaisir, il fait 14 MDX, 446, l'eau sur le Laurent pour le 40-64. Ok Laurent, ben oui là ça passe bien, j'ai bien compris que tu es monté carrément en haut de l'antenne avec le TX d'accrocher sous le bras et que tu passes comme ça à chier trois coups. Non mais c'est vrai que là ça passe quand même assez bien ce soir, même si, enfin bon bref, ça arrive à bien passer quand même, surtout que le département 40 par rapport à moi ça fait quand même un sacré bout. Et ouais, bien content de te compter là parmi nous, là d'être de retour en fréquence. Retour à toi Laurent. Ok, merci pour le retour. De toute façon, là, moi, ce soir, je vais pas durer aussi longtemps que d'habitude, c'est-à-dire une heure et demie sur le QSO, car demain matin, va falloir que je me lève de bonne heure pour aller au pro, et pour ma part, demain soir, ça ne sera pas possible. Là où je vais demain, je débouche à 20h, le temps de faire la route, la circulation, sortie de magasin, patin, coup fin, ainsi de suite. Il y a des chances que j'arrive au QRA vers les environs de 21h, et là, à ce moment-là, j'aurai autre chose à faire que de me mettre à la station comme... pardon, et je m'étrangle en parlant, comme aller au gastro solide par exemple, et plus, bon bref, des affaires personnelles, hachi. Donc pour moi, de demain soir et dimanche matin, non, ce sera pas possible. Donc les 73 à toi, merci de ton passage. Il y a une petite vidéo qui est en route, là tu pourras voir un petit peu là ce que ça donne là de mon côté, et tu seras peut-être même surpris de voir que là ça passe aussi bien quoi. Et bien, si vous m'avez appris, et bien, dis-donc,
l'émission de lui. Quel plaisir d'entendre quand même pas mal d'anciens. Allez, la bonne soirée, Laura. Bye bye. Bonne soirée, Michel. Je vais te remercier. À bientôt. Ok Laurent, c'est du 43 de mon côté, voilà. Mais j'ai envie de rigoler quand t'as dit quand t'as parlé d'anciens. Alors que par rapport à toi, on est quand même des gamins, quoi. Hachi trois coups. Je suis étonné que ce soir on n'ait pas Eric ou Ludovic. Ludovic, le livreur de pizza est toujours pas passé, on dirait. Hachi trois coups. Eric, apparemment, je sais pas, tu dois être fatigué ce soir, j'imagine. Bon, de toute façon, si tu réponds pas, c'est que t'es pas là. Bon ben voilà, ça c'est fait. Doudou, est-ce que tu es dans le coin, à moins que tu sois sur la route? C'est vendredi, samedi soir, il y avait un monde qui se montait les uns sur les autres. C'était des coquettes, stations modulées. Et remarque là, avant que tu arrives, c'était pareil. Stations modulées, c'est. Et après, c'est comme ça. Mais toi, demain soir, quand tu débauches, oui, c'est ça. Je vais certainement laisser tomber le gastro solide demain soir. Hachi, non, c'est non, mais ça sera pas grave. Hein. Il y aura d'autres fois où je me mettrai en fréquence. Hein. Hachi, trois coups. Non, demain soir, j'aurai autre chose à faire que. Attends, et en plus débouchant à 20h, comme j'ai tout à l'heure, plus la route, ceci, cela, ainsi de suite. Les bouchons des sorties de magasins, et ainsi de suite. Non, honnêtement, là, j'aurais à coup sûr autre chose à faire que de venir en fréquence. Ouais, c'est sûr et certain. Hachi. Ouais, ce soir là, je sais pas ce qu'ils ont là. Il y a, je sais pas. Ils sont tous occupés là de leur côté. Ah tiens, le week-end dernier là, on a eu, je saute du coq à l'âne, moi, Hachi, on a eu Radio Broc. Ah là, c'était génial. Hein. Là, il y avait pas mal de monde. Puis après là, comme chaque année, on s'est fait un resto. Alors ce coup-ci, Daniel nous a emmené du côté là de Martignas. Dans un truc de chasse. Et ce qui fait que, bon, là, c'est pas un resto qui est ouvert au public. Hein. Donc là, il n'y avait vraiment que nous. Alors en tout, on était 18, je crois. Et 18, ça fait quand même une belle attablée. Donc là, on a encore une fois de plus à passer là, un super samedi là, de Radio Broc. Là, c'était vraiment pas mal, quoi. Côté news pour toi, là depuis un petit moment déjà, Ludovic a mis son web SDR en stand-by car il fait des travaux chez lui, des travaux de maçonnerie. Donc à cause de la poussière que ça dégage et tout, il l'aurait laissé en route. C'est à coup sûr qu'il aurait grillé l'ordinateur qui gère ça. Hein. Donc là pour le moment c'est en suspension. Et dès qu'il sera fini au niveau de ses travaux ou le plus rapidement possible, quoi. Il remettra en route de toute façon dans tous les cas. Oui, j'avais entendu l'autre soir qu'il y avait des problèmes. J'avais pas bien compris pourquoi, mais cela je le sais. Mais prévoir en laisser un, mais le sien, je ne sais pas parce que je l'avais mort après avoir appuyé dessus. Mais je te signale un petit indicatif, et j'oubliais de te le dire tout à l'heure. Oui, affirmatif. Et dans la grosse vidéo justement de samedi dernier là de Radio Broc, j'ai eu l'occasion à un moment donné justement là de faire parler le Ludovic Hachi justement sur le concernant le web SDR.
car il est vrai que de temps en temps, il y a des OM qui me demandent où ça en est, ceci, cela, est-ce qu'il va le remettre en route, et ainsi de suite. Donc j'ai sauté sur l'occasion à Radio Brac de l'avoir là, juste rapidement là parmi nous, pour lui mettre la main dessus et justement le questionner à ce niveau-là. Quoi. Donc les soucis qu'il a chez lui en ce moment, c'est en s'attaquant là, au niveau de son garage, il a découvert des infiltrations d'eau. Voilà, donc c'est un problème qu'il faut d'abord qu'il traite. Et une fois le problème traité, il va falloir qu'il étanchéifie ça avant de pouvoir suivre ses travaux correctement. Quoi. Les bons 73 à toi, Michel de Toulouse, il n'y a pas de problème. Ainsi, 212 au QRA. Eh oui, mais bon, c'est vrai que c'est. On y prend vite goût. Hein. C'est vrai que ça. Tout le monde aimait bien, justement, le week-end venir dessus pour poursuivre en même temps le QSO. Et quand c'était possible, on répondait en même temps là, sur le chat là, du WebSDR, là, vos questions et tout ça, ou alors plutôt les questions étaient posées sur le chat du WebSDR, on répondait directement en fréquence et ainsi de suite. C'est vrai qu'il y avait un petit côté interactif entre la radio et Internet là, qui était bien sympa. Quoi. Mais bon, de toute façon, il l'a promis, il remettra en route, hein, c'est sûr et certain. Hein. Et il voyait passer autrement. Et comme il dit justement dans la vidéo là, de Radio Brac, il en est le premier privé, hein, parce que lui, c'est pareil, quand il n'était pas chez lui, il aimait bien venir écouter sur WebSDR. Donc, il fait au mieux. Et comme il a annoncé aussi, il compte également rehausser l'antenne. Voilà, de façon. Enfin bon, c'est en pourparler, à voir ce qu'il fera au final. Oui, Rémi, je te signale que Michel de Toulouse, je te fais dire merci. Les capteurs en direct, mais bon, lui, il a que l'horizontal, alors ça c'est lui, il t'entend tout petit, mais il t'entend. Tu vois, ça arrive jusque là-bas. Alors, tu vois, non, mais il aurait une verticale, peut-être que ça se ressemblerait bien, mais là, il t'attarde un peu, il m'a dit ça, là. Parce que nous, on a notre système de liaison via Internet, et là, j'ai appuyé sur le bouton, comme ça, il entend tout ce que l'on dit. Comment dit pas de mal de son voisin. Alors, c'est pas bien grave. Voilà, mais tu vois, tu passes quand même. Ça m'étonne pas que tu passes si bien quand même. Sur le site des Landes, parce que le département 64 et puis le 31, tu sais, à distance avant l'oiseau, il ne va pas y avoir la différence. Ouais, ça montre bien qu'il doit y avoir un petit filet de propag quand même qui est là qu'on voit pas, hein, mais qui est pourtant là, parce que c'est vrai que là quand même là pour porter aussi loin, sans propag, non, c'est même pas la peine d'y penser quoi. Non, c'est que y a une activité qui est là quand même. Hein. D'accord, ben justement, puisque tu parles de ça, quelle est puisque là tu reçois des images, ok, en DMR, tu me dis, quelle est la différence entre le DMR et la SSTV? Ah, mais
que tu recevrais l'autre, tu verrais la différence. Il y en a une, ça varie, tu as la propagation. Et les tout petits, et toi, ça fait tous les petits poignes qui sont des faux défauts, qui sont écartés les uns des autres. Alors que le DRM, tu la reçois, il y a trop de QRM, tu la reçois pas du tout, et si tu la reçois, c'est aussi bien que les photos, parce que c'est une vérité, que les photos que tu fais maintenant avec ton appareil photo. Hein. Donc, et pas par un système qui appartient d'ailleurs à Michel de Toulouse, là. Il a installé le meuble, et je l'ai fait suivre bien même là, aux amis qui sont dessus, et je peux te dire qu'ils sont contents de Michel de Toulouse, il reçoit lui aussi en direct. Si on donne les fréquences, si j'en reçois, quand j'en reçois, et puis en effet, tu vois, on a fait profiter. Mais je peux te dire qu'il y a des gens qui disent, quand ils ont vu ces photos par rapport à la SSTV, moi je sais qui fait pour les deux, pour la SSTV comme pour le DRM, mais la SSTV ne m'en parle pas. Hein. Oh, c'est terminé. J'ai été vacciné. Et pour faire le feu avec Bordeaux, avec toute l'équipe de Bordeaux, on était quand même pas trop loin. Mais après, j'étais mis au DRM sur le 27 septembre. Et puis petit à petit, bon, ils ont arrêté. Et puis bon, mais moi j'ai fait des recherches ailleurs. Et j'ai trouvé sur les fréquences des radios amateurs. Alors, je n'ai pas, bien sûr, mais après, je reçois. Ok, ouais, mais bon, si si la qualité est trop bonne, c'est y a plus ce côté radio entre guillemets qui est là, quoi. C'est un petit peu comme si tu allais récupérer les images sur internet en fin de compte. Enfin, je veux dire, par là tu vois pas la différence, même si ça passe par les ondes radio. Alors que en SSTV, c'est pas toujours très très propre dans la qualité. On voit davantage que c'est passé par de la transmission radio. Ce petit côté imparfait fait tout son charme justement à ces transmissions radio là d'images. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça je dis pas le contraire, mais ce que je veux dire, c'est dans la restitution de l'image elle-même, c'est ce petit côté imparfait qu'il y a là. Enfin, je parle pour moi, parce que là je vois, là attends, je suis en train de faire un truc en même temps. Moi je sais faire qu'une seule chose à la fois. Attends 2 secondes, voilà, ok. Là, ce petit côté un petit peu imparfait dans la qualité d'image, et je trouve ce petit plus dans la transmission, c'est j'ai l'impression de dire n'importe quoi là sur le coup, hachi trois coups. Par contre, là je vois de mon côté, voilà, au niveau de l'ordinateur, je suis sous Linux. Donc le logiciel que j'utilise là, c'est QSSTV. Et dessus, la réception se fait via le micro.
Et donc là, je mets le haut-parleur devant le micro. Mais c'est vrai que là, j'ai pas du tout de bons résultats. Il faudrait que je me fasse un cordon qui va d'un côté de la sortie HP, sortie casque du poste, pour injecter là, dans l'ordinateur. Et en y allant tout doucement, arriver à obtenir une meilleure qualité de réception sur le logiciel. Ouais, là, il faudrait que je me fasse un cordon comme ça. Ouais. Bien sûr, tout à fait. Hein. Par contre, là, je suis en train de regarder l'heure. Va falloir que je me décide quand même à passer là en QRT, même si c'est QSO est vraiment très intéressant. Mais là, demain, ça va pas le faire. Là, c'est clair que là, demain, va falloir que je me lève à 6h et tout ça. Et là, faut que je reste raisonnable. Donc là, c'est avec regret là, que je suis obligé de couper court, mais on reprendra cette discussion, c'est sûr, hein, y a pas de problème. Hein. Allez, les bonnes soirées 51 à toi, Michel, et bien content de te voir, de t'entendre à nouveau en fréquence. Et à la prochaine. Allez, Rémi, la bonne soirée, la bonne nuit, surtout, reprends-toi bien. Si tu le permets, j'ai 88 à madame, et à la prochaine, et merci. Merci à toi, bye bye. Ouais, j'ai entendu quelqu'un très très QRP derrière, les 213-51 à la station. Voilà, de la part de 14 km 33-01, Dandy 33, opérateur Rémi. Là, du côté de Saint-Émilion, Castillon-la-Bataille. Et à la prochaine. Ok, attends, je réduis le filtre là de mon côté, là, le... Voilà, je retour à toi, Michel de Toulouse. Ok, bon, j'ai pas réussi à améliorer quoi que ce soit, c'est vraiment très très QRP. Je pense que là, on devrait pouvoir l'entendre dans la vidéo, là, sur la fin de la vidéo, parce que là, pour le coup, là, je n'ai pas encore arrêté. Ok, les bonnes soirées à toi. Merci pour ce petit passage, Michel de Toulouse. Mais bon, hélas, là, c'est vraiment... c'est bien parce que là, j'ai l'oreille assez affûtée pour décortiquer quoi que ce soit. Pour décortiquer quelque chose dans les QRM que j'ai de mon côté. Merci pour ce petit passage, Michel de Toulouse, les bonnes 73. Et Michel de Blaye, rue 73 également, Hachi. Et merci pour ce QSO. Et à la prochaine. Ok, merci, bonne nuit également.
Ouais, il y a un petit peu de propague derrière. Arrivo a discriminare meglio alcuni tipi di QRS, ma primo